Oui, bonjour. Voilà, petit problème de taille. Bonjour Tonton Bouge, bonjour Luna, bonjour Dorian. Comment que vous allez? Bon, par contre, le place ta caméra ici, ça va être compliqué sans cam. Donc, ce qu'on va faire. Voilà. De toute façon, le chat, il est à côté. Comment s'est passé le brunch ce matin? Vous êtes déjà des super-héros. Vous avez fait ça dans quel univers? J'ai cru voir que ça avait fini tard en plus, enfin à midi et demi. Ok. Je connais pas du tout l'univers d'Invincible. Je sais qu'effectivement Hudson est fan. Désolé, moi je mange en même temps. J'ai pas arrêté de me dire j'ai envie de manger, oh, puis en fait non, puis en fait si, puis en fait non aujourd'hui. Merci. Alors du coup, vos examens se sont bien passés? Est-ce qu'il y a eu des fails marrants? C'est toujours les fails qui sont le plus marrants dans les jeux de rôle. Est-ce que je mange McDo en plus? Oui. Est-ce que c'est mal? Oui. Est-ce que je culpabilise? Oui. Est-ce que c'est la vie? Oui. Pas de fail. Bah, tant mieux. On peut mettre plus que 90 secondes? Non. Ah, je peux mettre 50 manches. On n'a jamais fait, genre le. Un jour, il faudrait qu'on se fasse, genre le big marathon 50 manches. Le GG alors. Mal depuis quand? Bah, tout le temps mal le McDo. C'est le grand capitalisme, c'est la malbouffe, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut pas. Bon. Moi, ce matin, j'avais une copine qui dormait sur le canapé, donc j'aurais pas pu bruncher. Elle est partie un peu avant 11h, cela dit, donc. Mais bon. Dans tous les cas, j'étais trop naze. Pas envie d'apparaître à la caméra. Là, je suis vraiment en mode caverne. Du coup, j'ai des copines qui sont venues là, mais je suis pas sortie moi. D'où le, je me fais livrer le McDo parce que j'ai plus à manger aussi. Je suis vraiment en mode ours. Mais en vrai, je me dis 50 manches. En vrai, un jour, ça se fait grave parce que souvent, on fait genre 20 et on fait plusieurs parties. Donc en fait, 50 manches, ça va. En fait, ça va. J'ai envie d'en faire une de 50 manches. Comme ça, les gens peuvent passer, repasser. Et à la fin, genre, on sait qui est le ou la winner de l'après-midi. Je peux même mettre une clé de jeu. Ouais, juste pour le fun. Aïe, je viens de me faire mal au doigt. Bah bravo, Cinémone. Hop, vas-y.
Comme ça, de toute façon, entre chaque truc, on peut mettre les pauses comme on veut. Genre là, par exemple, le temps que je choisisse et tout. Bon, par contre, c'est vrai que... En vrai, c'est dégueulasse comme ça. Je sais ce qu'on va faire. Je vais réduire, mais à la place de l'endroit de la cam, je vais mettre autre chose. Comme ça, vous voyez les derniers points. Bon, là, vous voyez le mot, donc ça marche pas. Là, il y aura point pour personne. Ok? Mais... Je vais voir si je peux mettre un Z par-dessus. Une image à la con. Qu'est-ce que j'ai comme image à la con? Bon, je mets Hudson en censure. Voilà, Hudson en censure des mots. Comment ça, non? Oula. J'ai trouvé un gif que j'aime bien. Il n'a pas le bon format. Non, il n'a pas du tout le bon format. Oh no! Un carré de couleur, ouais, mais c'est moins fun. Non, ce que je peux faire, c'est que je mets ça là. Hop. Voilà. Voilà, comme ça, c'est mignon. Et puis comme ça, il vous donne du café. Par contre, je vais être obligée de recommencer parce que là, du coup, on avait vu le... Ah non, mince, ça laisse là. Flûte. Bon, on va dire que celui-là compte pas. Ça veut pas me remettre à zéro. Sauf si je fais ça. Attends. Oui. Ah, si, c'est bon. Voilà. C'est bon. Après, ça va faire un peu répétitif, mais bon. Je pourrais alterner, c'est pas grave. Je pourrais mettre autre chose. Ouais, je suis désolée, hein, je mets pas la cam, sinon je fais bonjour le peignoir et tout. On aime la répétition. Comment s'est passé ton voyage au fait, Luna? Je me mets mon portable en silencieux. Voilà, qu'on soit tranquille. Hein. Alors sachez que dans les premiers mots qu'il me propose, il me propose gélatine de fraise et un autre mot. Ce sera l'autre mot, hein, parce qu'on est d'accord qu'en français, gélatine de fraise, personne ne dit ça. Genre, personne. Genre, qui dit gélatine de fraise? Genre, à quel moment vous avez trouvé ça? Et vous êtes intelligent, hein, mais bon, gélatine de fraise! Au secours! Personne ne dit ça, voilà. C'est une traduction à la maman moelle. Donc, ce sera l'autre mot qui est beaucoup plus simple, je vous rassure. Mais oui, d'ailleurs, mais meuf, en vrai, t'as pris un Airbnb, mais comme une copine qui a dormi chez moi l'année dernière, en vrai. Pour le jour où tu viens à Paris, en fait, tu peux me demander, hein, tu sais. J'ai un canapé. Ok, dans mes périodes avec trop de bordel, c'est compliqué. Mais, à la base, j'ai un canapé. T'es arrivé à quoi, gare du Nord, gare de l'Est? Est-ce qu'on a des trucs à annoncer d'ailleurs en ce moment sur la paix? Je crois pas. C'est un hasard. Ok. Je suis pas très loin d'une gare, je dirais pas laquelle en stream évidemment. Même si toi t'as mon adresse. Mais je vais pas parler de mon adresse en stream quoi. Mais
Bah, c'est pas le pire. Ouais, j'ai oublié de soumettre un clip, moi, d'ailleurs, pour ce matin. En même temps, je sais même pas si j'en avais cette semaine, parce que j'ai pas beaucoup stream. J'ai stream une fois sur ma chaîne et une fois sur la paix, donc... C'est qui le nouvel Appa Paradis? Oh! C'est beau, ça, quand t'as des égalités d'Appa Paradis. Vas-y, je vais mettre Gartic Show en marathon. On prend notre temps. N'hésite pas à rejoindre au milieu. Voilà. Bah du coup, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es... Alors, peut-être que Bistou bosse aujourd'hui, remarque. Mais entre ton déplacement à Paris et le fait que t'as fait le brunch, pourquoi t'es pas en train de sister contre Bistou? Il est au boulot? Non pas que ça me dérange que tu sois dans le chat, pas du tout, mais... me dis, vu ton déplacement... On va commencer avec un petit mot simple. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc du coup, ça te stresse trop, donc... je comprends. Je vais faire mes petits dessins, puis s'il y a personne qui trouve à chaque fois, bah c'est pas grave. Ça, les gens qui passent, ils marquent des points, puis on verra bien qui a le plus de points à la fin. Bah voilà. Ah, de peu, et des chars, de peu. Le GG. Luna première. Ouais, j'imagine que ça doit être grave stressant. Et vous répondez dans le chat directement, t'inquiète pas. Hein. De toute façon, vous passez, vous marquez un peu de points. Vous faites votre vie, on est tranquille, on est en après-midi. De toute façon, si vous gagnez, je vous contacterai en... soit en PM Discord, soit si vous n'êtes pas sur Discord, en PM Twitch. Ouais. Alors, il y a le mot anu, mais sans S à la fin. Aucune idée de ce que c'est censé être. Du McDo, c'est mal et nature. Je vais faire l'autre mot, du coup, qui va être dur. Je sais pas si vous avez trouvé. Vous connaissez ce mot, mais je sais pas si je vais réussir à le... à le représenter. Comment ça va toi, Nelcher? Qu'est-ce que t'as mangé de beau aujourd'hui? Wow! Putain, quand je dis que j'étais pas sûr que vous alliez trouver. Putain, encore meilleur que ce que je pensais. Hein. Dieu du ciel pour le McDo. Oui, mais vous faites le parfait. Tu as bien raison. Parce que du coup, les invites pour le mariage, c'est toi qui les as designés. Le sudois, c'était dur. Alors, il y a des gens qui naissent avec des doigts en moins ou en plus que la moyenne. Voilà. C'est vrai que j'ai pas compté, en fait.
Désolé pour la main algue. Je demandais si c'était toi qui designais les invitations à Luna ou si tu les avais, si t'avais fait faire le design ou si c'était toi qui le designais vu que bah du coup vu que t'es graphiste et tout, bon, bah, je me dis ça se trouve c'est toi qui l'ai fait quoi. Et coucou Ezy, comment ça va? Alors. Je mets pas des mots personnalisés. Hein. D'habitude, je mets des mots personnalisés là, mais. Comme là, il y en a beaucoup, on va faire sans. Alors là, pareil, je sais pas si vous avez trouvé avant. Oula. Pourquoi il a une tête qui... Bon, c'est pas grave. Vu de l'esprit, hein. On va faire comme ça. Waouh. GG. Ah, un peu plus de soleil pour Ezy, s'il vous plaît. Courage. On va vers le printemps. Oui, je sais, je sors des trucs de PMU. Et alors? Ouais, c'était un accusé qui se prenait la tête. Ah oui, le chat est sur le dessin. Ah, t'as raison, je vais bouger, attends. Bah là, du coup, il se met par-dessus le chat du truc, mais c'est pas grave. Voilà. Putain, j'ai eu peur. Quand j'ai vu Regarde-toi dans le miroir, je me suis dit, c'est quoi cette phrase de troll? Mais non, c'est parce que Ezra demandait à avoir plus de soleil. Donc ça va, en fait, c'est une phrase super mignonne. J'ai eu peur. Putain, désolé. Le réflexe. Ouais, c'est le chat sur le chat. C'est de la chatception. Il vaut mieux que ce soit le chat sur le chat plutôt que sur le dessin. Sinon, vous voyez pas ma magnifique œuvre d'art. Et surtout que vous pouvez pas trop marquer de points. Super. Alors, il y avait le mot aiguiseur de couteau. Je ne vous ferai pas ça. Ah ouais, c'est pas le classement, c'est les derniers points qui ont été marqués. T'inquiète pas. C'est les derniers points qui ont été marqués. C'est pour dire le nombre d'étoiles que vous avez marquées. En fait, plus vous répondez vite, plus vous avez d'étoiles. Et donc ça montre là en fait les dernières étoiles qui ont été gagnées. Attention, un dessin hautement accurate. Encore une fois, voilà. Hop. Pouip, pouip, je vous fais même des bruitages. Hein. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien cliché? On va faire comme ça. Voilà, puisque évidemment. Voilà, des lunettes, c'est important. Évidemment, c'est la lunette qui faisait tout, n'est-ce pas? Sans lunettes, comment on savait que c'était une scientifique? On est d'accord? Je pense que vous auriez préféré aiguiseur de couteau, mais bon, quand même. J'espère que vous n'avez pas trop de regrets. NHR, bon niveau, un hein, bon niveau, bien réveillé aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, vous avez le temps de le rattraper en point. Heureusement que Lily Suzy, notre MVP nationale et scientifique, enfin, on va dire, puisque dans les maths et tout, ça rentre un peu. Et elle a des lunettes. Elle m'aurait jugé. Ou pas. Voilà, ça va. Ça devrait aller. Du coup, je vais vous troller.
Et là, vous vous dites, pourquoi? Pourquoi, meuf? Pourquoi? Non! Non, je ne voulais pas faire ça. C'est bon, tout va bien. Hop. Voilà, bon après c'était... on est d'accord que bon, j'ai pas le niveau pour distinguer une clémentine d'une mandarine d'une orange. Hein. Voilà, donc c'était un peu qui tapait mandarine avant. Genre en vrai, par exemple, c'est Luna qui a dû avoir le point parce que ça pouvait être autant une orange qu'une mandarine. Mais bon, c'est le jeu qui valide, quoi. J'ai du coup une headshot. C'est là que tu sens que je suis en mode flemme. J'avais équilibriste et un autre mot. J'ai fait non, l'autre mot. Flemme de l'équilibriste. Mais de temps en temps, j'aime bien prendre des mots compliqués. Mais bon, là, j'ai pris l'autre mot. Attention, ça va être représentation jeu vidéotesque. Non, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça fonctionne quand même. Voilà. Je joue trop à Stardew Valley et tout en ce moment. Je fais des représentations genre de jeux vidéo en pixel art, sauf que c'est pas du pixel art. C'est ni du pixel ni de l'art, mais bon, c'est ni du lard ni du cochon. Mais c'était de la viande en tout cas. Bon appel Lulu, bon courage pour le pour les invitations. Merci beaucoup d'être passé, ça fait grave plaisir. Il y a des chats qui s'envolent là. T'en rigoles pas? Attention, c'est en plusieurs mots. Je rappelle que ce jeu en plus est un peu anti-dyslexique. Hein. Si vous faites des fautes de frappe ou quoi, il valide pas. Faut vraiment écrire pile ce qu'il veut, quoi. Waouh. Oula. On va faire comme ça, voilà. Tout ça là, ce qui est en violet, voilà. On va faire comme ça, voilà. Effectivement, là, on était parti pour les robes de nuit, robes de chambre, chemise de nuit, chemise de chambre, nuit de chambre, nuit de chemise. Effectivement, chemise de nuit. Pyjama, c'était pas loin du tout. Pas loin du tout. Partal, tu étais pas loin. Prête à porter, Ezzy, elle a été cherchée plus loin que l'espace, le cosmos. Je la reconnais bien là. Là, c'est bon, on repart sur un mot. Je vous épargne parce que l'autre, je me suis dit, ah, il y a bidon de lait. Je me suis dit, un bidon de lait, ça va être marrant à dessiner un peu. Mais je me suis dit, ah, c'est pas encore plein de... de test à plusieurs mots, donc là je vous en ai pris un. Oula, je ne sais pas ce que je fais, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Un forcené qui se gèle sur un bout de pain. Ça n'a pas de sens. Ce dessin n'a pas de sens. Oh là là. J'ai par tête. D'ailleurs, je disais par talte.
C'est par tête, par talt ou par tête? Par tête ou par talt? Je t'appelais part, que ça je me trompe pas. Allez, pareil, toujours en un mot. On y va doucettement. Je me soucie toujours. C'est juste que après, des fois, je me trompe et j'oublie. C'est un autre problème, ça, mon cher. D'ailleurs, ça, c'est pas la bonne. Tu vois, ça aussi, c'est. Là, on dirait que je suis en train de faire des sarcophages, d'ailleurs. Pourquoi pas? On va faire comme ça. Voilà. Ça va, c'était honnêtement là, ça va. Niveau représentation, je vous ai fait pire. Hein. Ça va. C'est parfait avec une faute de frappe, donc partez. J'ai mis le i en majuscule pour faire semblant que c'est par talt. C'est moins gênant que par tête. Du coup, tu. Mais alors, du coup, tu préfères par talt ou tu préfères par talt? Ou tu veux qu'on t'appelle parfaite? Ah, des amphores. Ah oui, effectivement, on est d'accord que ça ressemble à des amphores, mon truc. Oui. Sinon, Lusinia, c'est très bien. Ah, c'est Lusinia! Coucou, Lusinia! Tu as rename. Bah, c'est bon, je peux t'appeler parfaite, alors ça va. Lusinia, elle est adorable, elle est BG. On peut l'appeler parfaite, c'est bon. Après, c'est pas un raton laveur. Donc, non, c'est vrai. La perfection n'existe pas, voilà, donc. Pas de raton laveur dans la salle. Comment ça va-t-il? Je sais pas si on s'est croisés depuis le début de l'année. Vu qu'on est encore en janvier, je peux encore dire bonne année. Voilà, c'était belle mes quilles de bowling, hein. On est d'accord. Il y avait pignon. Grave la flemme d'essayer de vous faire deviner des pignons de pain, parce que vu comment je voulais dessiner, ça va être des grains de riz, de toute façon. Donc, à la place, je vais vous faire ceci. Ah ah. Ah bah j'ai même pas eu le temps de finir ma flamme. NHR a beaucoup joué à Minecraft, non? Superbe connaissance des torches. Tu me dis, il y en a dans plein de jeux. Joe? Faut que tu m'expliques. Ah, les JO! Parce que j'allais dire les Zrabal, faut que tu m'expliques c'est qui Joe? Mais je suis con! La torche, la flamme des Jeux Olympiques, évidemment. Ah, oh, j'ai vu qu'il y a un film français qui allait sortir là. Genre. Là, en début d'année. Sur les JO, mais en mode. Genre, ils ont fait une affiche en mettant les anneaux pour faire genre un pénis. En mode. Oh lolilol, on est trop drôle, comédie potage française. Ça m'a déprimé. Pardon, mais. Pourquoi? Genre pourquoi les gens... Attends, je vais vous retrouver ça parce que ça m'a perturbé. Hop. Je vais vous retrouver, il faut que je vous montre l'affiche là parce que ça, je me suis dit mon dieu mais on dirait un truc fait par Bigard quoi. Ah pourquoi mon... Mon second browser déconne. Sinon, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre là. Hop. J'ai la torche humaine, ouais, t'inquiète. TKT. Ah oui, d'ailleurs, quand tu cherches des infos là-dessus, là, je tombe sur le fait qu'il n'y aura pas le droit de tourner des films d'action ou d'époque pendant les JO. Il y a plein de tournages de films qui essaient de tourner à fond avant les JO à Paris. Parce que ça va être tout bloqué pendant les JO. Putain, c'est quoi le truc? Ah!
c'était qu'arrive à trouver le nom. C'est quand les JO? Je sais même plus quand c'est le début exactement. Attends, on va regarder. Parce qu'en vrai, en plus, habitant à Paris, je peux vous dire que j'ai intérêt à savoir quand ça commence, quand est-ce qu'on va souffrir. Alors, vendredi 26 juillet, fin dimanche 11 août. Putain, je retrouve pas le film là. En plus, je fais des recherches magnifiques là, je peux vous dire. Comédie française JO 2024 affiche pénis. Je suis ravie. Je suis ravie de pourrir mon Google un peu plus en faisant ça. Bon. Ah, mais j'ai vu ça en plus tout à l'heure quoi. Bon, tant pis. Quand je vous trouverai ça, je mettrai ça sur le Discord. Sans pouvoir en débattre. Dans le forum audiovisuel. Non, parce que j'ai vu ça en publication sur Facebook. Donc ça sera pas dans mon historique, c'était dans mon feed Facebook. Genre c'était Sens Critique qui a mis ça ou quoi. Ah, mais attends! T'as raison, via Sens Critique, par contre, je peux peut-être retrouver, du coup. Je crois que c'était une publication Sens Critique, donc si je vais sur la page Facebook de Sens Critique, ça doit être récent. Parfait. L'esprit Coubertin. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà, regardez cette magnifique affiche. Ah! Qui sort le 8 mai. Voilà, donc c'est un film sur les JO 2024. Anjo, je croyais que tu avais parlé Anjo. Agneau. Ah non, non, non. Je parlais des JO. Voilà. Bon, c'est pas très... Voilà, je suis pas très tentée par ce film, mais... Mais, ok. Ok, ok. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas rêvé. Merci du coup pour l'idée historique qui m'a fait penser à Facebook, tout ça. Et Netchar qui se moque, alors, les vues sur Facebook. Alors, moi, le truc, c'est que... Sur Facebook, j'ai de la famille, justement, j'ai ma mère, par exemple, et des contacts de différents milieux, et où en fait, bah, si je coupe Facebook, y a des gens, voilà, je perds potentiellement le contact. Après, j'avoue, je l'utilise plus du tout. Enfin, je poste plus. En fait, je m'en sers juste pour repartager de temps en temps des posts de potes ou de contacts qui demandent des trucs, quoi, qui demandent des renseignements, de l'aide ou quoi. Et... Je partage de temps en temps des trucs justement parce que moi j'ai besoin de renseignements, d'aide ou whatever, tu vois. Donc c'est vraiment... c'est plus devenu le bon coin, j'ai l'impression, de Facebook qu'autre chose. Et puis je m'en sers pour regarder certains nurchis, des trucs comme ça, quoi. Mais ouais, après j'ai trop de réseaux sociaux. Là, tu vois, je me demandais ce que j'allais faire sur Fred. Parce que du coup, là j'ai Fred et X. Twitter, pardon. Je suis une vieille réac, je refuse de dire X. Mais on a le droit d'être réac face à Elon Musk, je suis désolée. Excusez-moi, mais bon, je ne m'en veux pas d'être réac face à Elon Musk. Ah, le chat était coupé. Mais du coup, ouais, je sais pas ce que je vais... Je sais pas comment je vais m'organiser pour les réseaux sociaux, parce que, enfin, j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire, en fait, pour être tout à fait honnête. J'ai pas trop la méta punchline et tout qu'il faut avoir pour les réseaux comme Fred ou Twitter. Il y a des gens qui sont très doués, tu vois, pour avoir une écriture très, très nerveuse, pleine de punchline et tout. Quand je dis nerveuse, c'est pas au sens « ouais, vas-y, tu peux te taper », c'est au sens vraiment, c'est des phrases qui claquent, ça accroche et tout. C'est vrai que moi, je suis plus...
je suis plus à l'aise dans l'écriture déjà de fiction que de messages sur les réseaux. Et je suis pas forcément à l'aise sur le très très court. Par exemple, même dans ma période adolescente, écrire des poèmes, j'arrivais pas à faire des haïkus, tu vois. C'est très très dur de faire de... Et je suis pas en train de dévaloriser les gens qui font des très bons tweets ou quoi. Vous en connaissez, hein, par exemple, il y a des gens comme Alexis Stone qui ont beaucoup de followers sur Twitter, qui sont des gens... Alex ou Thibaut Brock, par exemple, c'est des mecs qui sont très 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 bons sur les réseaux sociaux, qui font des punchlines d'exception, qui font beaucoup d'humour et tout, qui ont beaucoup de gens qui les suivent. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment un art à part entière, quoi. La fanfic, on avance tout doucement. De toute façon, on s'est pas mis de deadline, hein, donc ça avance tout doucement. Dernièrement, comme je fais très peu de stream, du coup, j'ai très peu fait la fanfic. Mais elle est toujours en... Elle est toujours en chantier. C'était karaté. J'ai le choix entre deux trucs, mais je sais que j'ai déjà dessiné, j'avais granola, donc je vais pas faire ça. Parce que la dernière fois, j'ai dû dessiner à la fois les céréales et en même temps le biscuit. Mais ça a encore plus embrouillé tout le monde. Donc je vais prendre l'autre, même s'il est pas facile. Ah si, je sais, je vais le faire en... Je vais le faire en rébus. Je vous fais en rébus. Parce que sinon c'est compliqué, pas en rébus. Donc ceci est un rébus. Hop, je me concentre. Hop là. Mince, bon, c'est pas grave. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Voilà, c'est un rébus. Il est complet. Non, ce n'est pas Daenerys. Vous avez le début. C'est bien un D au début. C'est en trois parties. Vous avez trois syllabes, en gros. Et c'était délégué. C'était un D. Au milieu, c'était donc du lait. Vous l'aviez bien. Et à la fin, c'était quelqu'un de très très joyeux. Donc c'était quelqu'un de gay. Et donc, ouais, qui lançait des petits cotillons. Donc ça, c'est un délégué. Voilà. Oui, parce qu'en fait, pour la dernière syllabe, j'avais le choix de faire quelqu'un de très très joyeux ou de faire quelqu'un d'homosexuel. Et je me suis dit, franchement, vu mon niveau en dessin et le risque que ça fasse une espèce de caricature très très nulle, franchement, c'était pas une option viable. Attends, mais j'ai remplacé le lait par nez. Ah, peut-être, oui. Daenerys, ouais. Ce n'était pas Daenerys. Ma personne n'a trouvé. C'est pas grave. Ah non, j'enchaîne sur un petit là. Ça va être plus simple, je pense. Comme ça, voilà. Parce que sinon ça rentrait pas. Voilà. Heureusement que j'ai dit que ça allait être plus simple. Apparemment non. Des gens. Je vais faire... voilà. Hop. Hop. Ah, vas-y, tu l'as. C'est juste que... Voilà.
Ah bah du coup, Nightshare a sauté sur l'occasion. J'allais dessiner un petit labyrinthe dans le coin. Ouais, c'est un Minotaure juste qu'il est en train de faire le grand écart parce que j'avais pas la place de faire ses jambes en bas, j'ai mal calculé. Voilà. Et Nightshare le voleur, il a volé le Minotaure à Ezreal. Honteux! Honteux! Voilà. Mais effectivement, c'était un Minotaure, comme vous l'aurez constaté, tête de taureau et corps d'humain. Bon, en train de faire le grand écart, hein. C'est un Minotaure de la GRS. Ça va, 24 points, ouais, c'est. Alors, il y avait sauce blanche, hashtag flemme de dessiner ça. Et là, par contre, ça va pas forcément être évident, mais je vous fais confiance, vous êtes fort. Vous allez y arriver, je suis sûr que vous allez y arriver. J'ai plus le temps de faire les notes et tout, mais GG. Je voulais faire un petit creux là à l'intérieur, avec à tu vois, un peu de volume et des notes qui sortent et tout. Mais pas eu le temps, vous êtes trop fort. Et effectivement, le gramophone Ezra Ball, 57 points. Tu vois, ça valait pas mal. T'as trouvé vite. Hein. Crotte de bille. Ce n'était pas une crotte de bille. Comment ça s'est passé? Et ben, du coup, ouais, c'est ouais, Ludinia, c'était pas forcément le plus évident, j'avoue. Moi, c'est un mot que j'ai tendance à oublier en général. Juste quand je le vois, je vois à peu près ce que c'est, mais. C'est le truc associé au tourne-disque, quoi, c'est à peu près ça. Ah bah, Ezie, elle en a deux chez elle, d'accord. Bon bah, forcément. Attention, ce sera en deux mots. Et bonjour, Anto Gamer. Nouveau challenger dans la place, donc. Comment que ça va-t-il? Alors. On va faire comme ça. Hop. Hop. On rappelle que c'est en deux mots. Voilà. Mes flèches sont pas fifoles, on va les faire plus larges. Et GG Nightshare, et oui, c'était du pain grillé! Je voulais leur faire des petites têtes mignonnes, mais je me suis dit que ça allait vous embrouiller, que vous alliez encore me maudire. Effectivement, hein. Du coup, est-ce que ça allait être pain grillé, tartine grillée, pain sauteur? J'aime bien Nightshare qui se dit, let's go, au point où elle en est. Pain sauteur! Ça me donne envie d'écrire un conte pour enfants, comme avec les haricots sauteurs, mais avec le pain sauteur, tu vois. Helps trop cru, j'avoue, j'ai pas eu le temps de bien le griller encore, désolé. Bon, il y avait navette spatiale, mais là j'ai la flemme. Donc là, on va partir sur quelque chose de plus simple. Hop, voilà, on va faire comme ça. Hop. Comment re-représenter ça? C'est en un mot, hein. Voilà. Visé. Effectivement. Chouette. Alors. Attends. Nature, faut que tu m'expliques. T'as tenté des trucs au pif. Là, on est d'accord. Nuit, jour, dentiste, hibou, chouette, voyeur. Chouette! À cause des yeux. Voyeur, en vrai, ça aurait pu. Parce que ça faisait des yeux vraiment en mode. J'aurais dû lui faire un petit sourire, c'est nickel. La chouette rose, là. Quoi? Mais où tu vois. Chouette! J'ai jalousie. Elle a les mêmes yeux. Pardon, excusez-moi, je viens de vous crier dans les oreilles, dans le micro.
Louis Adieu, elle a pas tenté 40 000 trucs. Elle est arrivée, elle a juste dit visez, c'était ça. Attends, je vais te l'envoyer. Ok, ok. Je veux voir la chouette parce que je suis intriguée là. En plus, j'aime les chouettes. Donc. Heureusement que mon coloc est au boulot parce que sinon il se dit mais qu'est-ce qu'elle raconte encore elle. Pendant ce temps, je choisis le prochain mot. Attendez, il y a une musique qui s'est faite toute seule ou c'est moi qui ai fumé? Ah, attends. Oh putain. Ok, j'ouvre dans le navigateur web. Parfait, comme ça on voit. Ah non, ça n'a pas ouvert dans le bon navigateur, mais c'est nul. Excusez-moi, mais voilà le... La chouette, effectivement, envoyée par NHR. C'est vrai. Bah non, t'as dit cible, Anto. Malheureusement, en fait, comme le jeu est relié de toute façon à Twitch directement et au chat, il prend vraiment que si vous entrez pile le bon mot qui considère être la bonne réponse. Donc, par exemple, si c'est visé, il accepte pas cible, il acceptera pas... vise sans R, etc. C'est, voilà. Ah, la musique du follow! D'accord. Putain, mais j'ai pas vu parce que j'étais en train d'aller voir la chouette. Je suis désolée. Merci pour le follow, Anto Gamer. Bienvenue sur l'After par Twitch. Alors, c'est une chaîne communautaire. On est 5 dessus. Donc, tu t'étonnes pas si c'est pas toujours la même voix, les mêmes personnes. C'est normal, on est 5. Le dimanche matin, on fait des brunchs. L'après-midi, en général, on fait des petits jeux comme ça. Et sinon, on fait des events aussi. Des events saisonniers, ou alors des trucs qu'on crée nous, qui sont pas forcément des marronniers liés aux fêtes. C'est variable, voilà. Et donc, bienvenue. Mais oui, c'est la musique de Follow, ça m'a surpris. Excusez-moi. Enfin, parce qu'en fait, en plus, j'ai installé des enceintes, là. J'ai changé mes enceintes, il y a peu. Et du coup, là, le son n'est pas du tout comme j'ai l'habitude. Donc, je suis perturbée, je suis comme un... En fait, Enager a raison, je suis une vieille personne, je crois. Alors, là, pareil, je sais pas si je vais bien le représenter. Je pense que non. Je pense que les plus scientifiques d'entre vous vont me détester. Les scientifiques la détestent. La sixième va vous surprendre. Mais c'est pas grave. Ouais, j'ai pas eu le temps de lui faire une tête méchante. Covid bactérie, voilà, c'était une bactérie. Alors je suis à peu près sûre qu'on représente pas les bactéries normalement comme ça, j'imagine, mais voilà, Jungle Speed, c'est voilà, c'est un peu, il était une fois la vie en Wish. Mais what? Je sais pas à quoi ressemble une bactérie en fait en représentation. Je vais aller voir du coup. Attends, non, j'ai tapé bactérie. Une bactérie. Ah mais non, ça ressemble plus à. Ouais, ça ressemble. Ouais. Ah, c'est dégueulasse comme on représente les bactéries, en fait. Ah ouais. C'est bien dégueu, en fait, je vais pas vous montrer ça. Mais ouais, ça ressemble plus à des espèces de bonbons, mais dégueulasses, quoi. C'est plus un virus, ouais. C'est comme un cornichon, exactement, en tant que gamer, ouais. C'est plus des cornichons poilus dégueulasses comme on les représente, ouais. Je fermais cette page, c'est très nul. Pardon. Ouais, là, j'ai plus fait un virus, je suis désolée. On voit que je ne suis pas scientifique, pour le coup. Ouais, ça ressemble un peu à des cornichons. Allez, attention, on va faire quelque chose de plus simple. Oula. Je sais pas ce que je fais après. Ah, c'est horrible. C'est horrible. On va faire comme ça. Voilà.
Voilà, nous cherchons ceci. Qu'est-ce que ceci? Bon, allez, du coup, je vais. Voilà. Voilà. Je voulais faire un homme historique, mais c'est devenu Monsieur Muscle. Pardon. Un jambon, j'avoue. C'était le gourdin jambon. Enfin, encore ça va, le gourdin. En vrai, dessiner un gourdin, c'est un peu informe, quoi. Pas de clouté, ouais, voilà. Tu sais pas si le gars, c'est un CRS au service de Macron ou... J'écris ma propre cavale tournée. À la base, je voulais faire un homme de Cro-Magnon, mais je sais pas pourquoi ça tourne en Monsieur Muscle. Non, je me fous de ma propre... Non, mais c'est bien, en fait, au moins. Maintenant, je sais que je peux me faire rire moi-même, hein. Il suffit que je dessine, tu vois. Révise tes armes avec Cinemoon. En vrai, à la souris, c'est dur. Ouf. Ah, il y avait houlette. Oh, j'ai la flemme d'une houlette. Je sais même plus comment dessiner une houlette. J'allais faire une roue à pizza, moi. Donc, non, on va faire autre chose. On va faire un autre mot plus simple. Allez, on va le faire comme ça. Voilà. Voilà. Là, ça va être plus simple. Ah bah, j'ai même pas eu le temps de finir. Eh bah, GG, Anto. GG, la graffeuse directe. Tu as reconnu la forme profilée idéale pour une agrafeuse. Bravo, bravo. 72 points, quand même. Hein. Je tiens à dire que c'est le meilleur score des derniers mots entrés, là. Belle entrée dans le game. Ça m'a mis en plein écran. Oh non! Mon agrafeuse, on en dirait qu'elle a juste une petite dent qu'elle allait attaquer en mode... Alors, il y avait le mot châtain au pluriel. Entre l'accent circonflexe et le fait que c'était châtain au pluriel, franchement, pourquoi? Pourquoi châtain au pluriel? J'ai rien contre le châtain, hein. Je suis moi-même châtain clair, à la base. Mais pourquoi châtain au pluriel? Qui va trouver ça? Non! Ah, attendez, faut que j'aille vérifier. Ah, mais non, mince, j'ai lancé le début... Ah si, c'est bon, je peux faire. Ça va, je peux faire. Alors, voyons voir. On va faire comme ça. Je sais pas trop si c'est bon, ça. Ouais, oula, ça tourne mal. Oh non, ça tourne mal encore, le retour. On va faire comme ça, voilà. On va dans la symbolique, hein. Non, c'est pire! C'est pire! C'est pire! Non, c'est pire que tout. Oh là là! Pardon! Je suis désolée, je tiens à m'excuser. Oh putain, c'est pas le bon sens en plus! Mince, comment j'efface? Oh. Ignorer ceci. Enfin, pas ignorer ceci, mais. Oh, j'ai pas le temps de tout effacer. Mince, on va aller faire au plus vite. Du coup, ce serait plus genre comme ça. Voilà. Voilà. Pourquoi c'est en énorme? Je ne sais pas. Voilà. Oh! Lusinia qui trouve à dernier moment 3 points qui m'évite la honte totale que personne n'ait trouvé. Et oui, c'était un buffle. Je lui ai fait ses cornes à l'envers, le pauvre petit. On est passé partout, hein, et je vous comprends. On est passé par le porc, le veau, le cerf, le bélier, la vachette, le chamois, la chèvre, le bouquetin. Aïe, aïe, aïe. Oui, on est d'accord que c'était pas très clair. C'était pas très très clair, je suis désolée. Mais bon, tout va bien. Elp, c'était avec deux L. Oui. Oui. Deux F. C'est la streameuse, je vous mets des bâtons dans les roues. Non, je mets juste des cornes à l'envers. Je mets des cornes à l'envers sur la tête des buffles. Plutôt que des bâtons dans les roues. Bon, ça va être facile. Ça va. Tiens, s'il y a des gens qui ont suivi la chaîne de la paix dernièrement, ça va vous aider.
Ah bah j'ai pas eu le temps de faire le symbole! Je voulais faire le bouclier de Link, le premier dans Ocarina of Time. Que tu chopes à la boutique, Mojo. Parce qu'en ce moment, il y a Lao qui est en train de faire Ocarina of Time suite au pari qu'elle a perdu avec moi. Et du coup, je voulais faire le bouclier Mojo. Mais alors, GG, Nature, là. Je sais pas comment t'as trouvé, parce que ça pouvait aussi bien être une noisette défoncée que à peu près n'importe quoi. Bravo, bravo. Tout à fait easy. Petit symbole royal, là. Alors. Il y avait course de voiture. Pareil, je vous épargne. On a la flemme. Donc, on va faire autre chose. Bon. Je pourrais faire aussi en mode AP, mais on va pas faire en mode AP. C'est peut-être des gens qui ont pas la ref. On va faire comme ça, attendez. Hop. Ouais, c'est pas le plus... C'est pas le mieux que j'ai fait. Mais... Oui, bravo Enetcha, un professeur. Je voulais vous dessiner Mr. Hudson, qui est donc une des personnes qui tient cette chaîne, qui est prof d'anglais dans la vraie vie. Et je me suis dit, si je dessine un dragon vert devant un tableau, les gens qui connaissent pas encore Hudson vont faire genre « Pardon, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ah, t'as trouvé les roulets à la cannelle, toi. C'est bon, les roulets à la cannelle. Ce sera en deux mots. Je vous épargne l'autre qui était en un mot, mais qui était œsophage. Est-ce qu'on a envie un dimanche après d'écrire œsophage correctement? Non. Donc on va plutôt écrire l'autre. Alors, je suis pas sûre que mon truc soit très accurate. Je pense qu'Ezrabal va me péter un câble dessus. Non, je plaisante parce qu'elle est adorable, elle va pas le faire. Mais... Voilà. Nous cherchons ceci. Je rappelle que c'est en deux mots. Voilà. Et oui, c'était un porte-encens. Ramen. Effectivement, ça aurait pu être le Graal ou des ramen. Hein. Voilà. Après les porte-encens, il y en a plein de têtes différentes. Je vous avoue que là, j'ai fait un peu plus la gueule qu'ils ont dans Baldur's Gate 3. Ce qui est quand même une référence pour l'encens. Un peu what the fuck. Il y en a qui sont beaucoup plus plats. Ou c'est genre des fois juste des bandes de bois. Mais bon. Je me suis dit, ça va me bâtonner d'encens. Ça va, on comprend ce que c'est encore, quoi. Une porte-encens. Bah, c'était facile finalement. Ça aurait pu être support à encens, ouais. Ouais. Surtout vu qu'il rappelle qu'il y a quand même pas mal de trades un peu chelou. Bah, et là, c'est facile. Franchement, là, je choisis les faciles. Il y avait ingénieur et puis il y avait ça. Je peux faire le dessin sans lever la main, je pense. Vous allez voir. Voilà, je vous fais le dessin sans lever la main. Allez hop. Pour le plaisir, j'allais repasser. Et GG Lusigna, à part tête, un cintre. Voilà. Et bonjour madame la MVP, vous aviez le bon mot. Là, comme vous êtes arrivé juste après, effectivement vous êtes un petit peu en retard, mais vous aviez le bon mot. Comment ça va-t-il? J'ai dessiné une scientifique tout à l'heure. Je pense que vous auriez approuvé ma chère Lily Suzy.
À partir du moment où j'ai mis des lunettes, tout le monde a trouvé. Avant ça, non. T'en as en fleur de lotus de portant sans Ezzy. Mais justement, j'ai failli dire, ah, ça c'est un mot pour Ezzy. Je pense que Ezzy, elle va l'avoir avant les autres. Mais ça aurait été injuste, ça aurait donné un... plus une indication. Hein. Alors... ouais. Ce mot-là va être assez simple. Aussi. Ouais, on peut le faire comme ça. Alors, je sais que pour le moment, vous vous dites quoi ? Non ! Mais non ! Mais non ! Mais jure ! Comment vous avez trouvé ? Je sais même pas. Vous, du coup, ça restera à jamais au stade de vers de terre moche. Pardon, désolé les vers de terre, mais sans le... Je voulais faire deux gros, trois gros arbres et puis derrière, plus un peu en fond et tout. Vous êtes trop fort là. Trop fort. Même pas l'arbre, même pas le temps de dessiner l'arbre qui cachait la forêt, vous avez trouvé. Excusez-moi, mais bon. Ou alors vous avez tellement l'habitude qu'on déforeste maintenant de nos jours que juste des espèces de troncs morts, pour vous c'est bon, c'est la forêt. Depuis le premier trait, on savait que c'était des arbres. Tu voulais nous la faire à, bah, ou à qui là, enfin. J'ai vu un arbre, puis deux, puis plus, c'est vrai. Ouais, ouais, je peux pas vous la faire à l'envers, hein. Vous êtes trop fort, j'y peux rien. Bon, pour la peine, en un mot. Un peu plus dur là du coup. On va faire comme ça. On va dire voilà. Voilà. C'est bien un verbe qu'on cherche. Ce n'est pas fondre, mais c'est presque un synonyme. Presque. On va faire comme ça. Voilà. On l'emploie souvent pour cet objet. Voilà. Franchement, ça va. Vous avez juste pas le bon verbe, mais vous avez l'idée. Oui, Lily Suzy qui trouve au dernier moment. 6 points pour Lily Suzy. C'était ramollir. Oui, on dit souvent faire ramollir le beurre. Voilà. Alors, je sais pas trop ce qu'est censé être ma créature Barba Papa métamorphe, mais bon. Merci d'avoir contribué à cette démonstration du ramollir, chère créature sans nom. On pourrait l'appeler Bob, comme toutes les créatures sans nom. Un tas de morves. Oh non ! C'est vrai que ça ressemble un peu. Ah. Ça va être facile, là aussi. Attention, hein. Là, vous allez... Voilà. Bébou. Je me suis dit, c'est un bébou. Bébou dinosaure. From cochon tout dinosaure rapidos quand même. Hein. Mais ça aurait pu être Diplodocus. Tu t'es cassé la tête à taper Diplodocus, mais non, c'était juste un random dinosaure. Il est trop mignon, merci. Il est ravi. Il est ravi de s'entendre dire qu'il est trop mignon. Il te remercie. C'est où ça déjà ? Attention. Alors là, je vais peut-être encore faire de la merde. Tout à l'heure, j'ai voulu dessiner une bactérie, Lily Suzy, sauf qu'en fait, j'ai dessiné un virus. Ah bah, bravo. Bravo, Lusinia. Première sur les biceps. Voilà. On sait ce qu'elle aime chez les mecs, les biceps. Chez les meufs aussi, peut-être. J'en sais rien.
Je sais jamais, moi, les biceps, où c'est exactement. En vrai, trop de muscles, moi, ça me fait peur. C'est pas une litote ou quoi, hein, vraiment. Genre, j'aime pas les muscles en plus, pareil, les gros muscles, ça me fait flipper. Peut-être d'ailleurs, je sais pas les dessiner, hein. À mon niveau, parce que vous allez dire, non, mais meuf, tu ne sais pas dessiner tout court. Mais à mon niveau, vous avez vu, je sais faire un dinosaure mignon. À mon niveau. Un biceps? Non. Je sais pas là, non. Ça fait 73 points quand même. GG. Il y avait épaulière. Notez quand même hein, ce que je vous épargne. Hein. Franchement, si je prenais à chaque fois les mots les plus durs, en vrai, on trouverait pas grand-chose, je pense. Il y a des mots, faut vraiment avoir un bon niveau de dessin pour réussir à les faire trouver. Hein. Alors non, ce n'est pas une bactérie cette fois, je vous rassure. Eh bah, GG, Lily Suzy. Comme quoi, mon début d'engrenage n'était pas si moche. Voilà. Ça aurait pu être un Pokémon aussi. Hein. Tu veux pas prendre les mots que tu rejettes? Ah, si tu voulais, je peux en faire un prochaine fois. Là, si vous voulez, j'en fais un qui est dur. Bon, là, c'est deux trucs sympas. Donc, non. Mais prochaine fois qu'il y en a un qui est hardcore, je vous fais le hardcore si vous voulez. Tu gâches mon business. Eh, c'est la MVP, hein? Eh, c'est la MVP, qu'est-ce que tu crois? Attends, on va faire comme ça. Hop. J'ai eu le temps de lui faire sa lampe. Notez qu'il est bleu pour faciliter la pensée au génie de Disney. Et la petite couette. Et oui, c'était un génie ver de terre un peu facétieux. GG, Nature. Ce n'était pas un Smogoko, effectivement, au tout début. Bon. Alors. Bon, bah là, par exemple, j'aurais pris l'autre mot. C'est pas encore le pire, là, à faire deviner, mais là, je vous ai pris le mot le plus difficile. Un petit bébé dans les bras, c'est vrai. C'est vrai, ça aurait pu. Et puis le bleu comme ça, c'est bien la couleur des statues de la Vierge, c'est vrai. Alors, je sais pas trop. Ouais, on va faire comme ça. Et non, ce n'est pas une bactérie, le retour. Je me prémunir à chaque fois. Ah bah GG, comment t'as trouvé ça? Arroseur automatique, putain, mais oui, ça aurait pu. Stardew Valley for the win. Non, c'était un drone, j'allais faire des petits nuages à un monsieur avec une télécommande, mais Nature, GG. GG. Et là, j'ai pris le mot le plus dur. Comme quoi, effectivement, je vous sous-estime. Hein, je vous sous-estime. En vrai, là, je prends pas le plus dur, mais parce que j'ai envie de le dessiner, celui-là. L'autre, c'était Mimic. En vrai, Mimic. Bon, au mieux hormis faire un mimique mais qui s'écrit autrement, avec genre le coffre qui veut bouffer tout le monde, quoi. Là, c'était la mimique, genre faire des grimaces, quoi. Faire ça. Voilà, on cherche ça là-bas. Et oui, c'était un seau. GG, Suzy, je voulais dessiner une enveloppe à côté et puis genre une petite bougie. Un peu un cachet de tir, un seau. C'est vrai que j'ai pas. J'aurais dû mettre une ficelle, montrer que le seau fermait quelque chose, que là il fermait rien du tout.
Mais GG. Suzy qui a essayé toutes les écritures de saut, d'ailleurs. Ah oui, t'as eu le bon au premier coup. GG. Docteur Maboule. C'est vrai. Oh, putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait du Docteur Maboule. Faudrait trop en faire en stream avec la paix un jour en IRL, faire un Docteur Maboule filmé. On met la caméra juste au-dessus, tu sais. Putain, alors ok. Alors il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est. Ah, attendez, je vais aller voir ce que c'est. Puisque vous vouliez que je fasse les mots les plus durs. Ah, d'accord. Oula. Ok. Eh ben, je vais essayer de vous le faire, hein. Attends, faut que je vérifie juste un truc. Ça charge. C'est quoi ce gâteau? Pistache, c'est le chat de là-haut, une des tenancières de la chaîne. Ok, alors. C'est parti. Alors là, on va voir si vous êtes des vrais de ce domaine-là. C'est en un mot, hein. Tiens, je pourrais faire ça. Hop. Ah oui, vous êtes pas loin, hein. Vous êtes pas loin. Vous êtes pas loin du tout. Effectivement, ceci est le drapeau de l'Italie. Et nous cherchons... ceci. Qu'est-ce donc? Aïe 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 aïe. Je sais pas trop comment comment l'autre. Je voulais faire une vache pour dire c'est fait au lait de vache. C'était du provolone. Détail STP. Alors je vais te montrer pourquoi j'ai pas détaillé. Hop. Déjà je vous ai mis un drapeau italien, je vous ai mis un bout de fromage et je vous ai mis la forme. Putain, sur la rola chouette de Hedacha. Et voici ce que j'ai trouvé sur le provolone. Voilà comment il est représenté. Bon, excusez-moi, hein. J'ai dit provola. Ah désolé, tu sais que le jeu est chiant avec ça. T'es obligé d'écrire exactement comme lui l'a dit. Voilà. Voilà, donc c'est un fromage italien. Alors, faut savoir, pour les gens qui ne savent pas, moi je n'aime pas le fromage. Donc bah forcément, je n'y connais rien en frometon, quoi. Donc, pour vous faire deviner du provolone, moi... Ouais, Anto, t'aurais détaillé comment, toi? Vas-y, dis-nous. Montre-nous. Tu peux nous envoyer le dessin sur Discord. Moi, j'aime bien, mais je les connais pas tous. Ah, ouais. C'est pas évident. Bah, allez. On va repartir dans un truc un peu plus simple. On va faire comme ça. Voilà. On peut le temps de lui faire plusieurs plumes. Voilà. Il est refait. Hein. Ce coq. Bon, un bon coq français, là. Je sais pas, des reflets, je sais pas.
Eh, mec, je suis scénariste, moi, je suis pas dessinatrice, hein. T'es genre, t'as cru quoi? J'allais te faire des ombres et la Joconde au fond. Je peux, hein, si tu veux faire des reflets. Mais à la souris, c'est pas facile, en plus. Puis je me suis dit, ça va ressembler au truc de Garade en Naruto, là. Ou non, c'est pas Garade, c'est qui se trimballe avec une cacahuète géante sur le dos, là. Avec du sable dedans. Franchement, avec des reflets, ça, leur... ça ressemble à ça. Gara, voilà. Bon, il y a poisson-scie. J'ai la flemme, je vais vous faire une scie avec une queue de poisson. On va faire un truc tout con. En vrai, j'aurais dû faire poisson-scie. Ça aurait été drôle, poisson-scie, non? Mais bon, non, à la place, je vais faire... Regarde, attendez, je vais... Voilà. Je vais faire ça, et tu vois, des fois, il n'y a pas besoin de détails. Il n'y a pas besoin de reflets. Regarde, quand on a le style en taux, il n'y a pas besoin de ça. Regarde. Regarde, admire. Voilà. La simplicité. Less is more, comme le disent les gens à la Ketmos. Voilà. Merci, merci, Lousinia. Un écran. Il a des pieds. Bah ouais, ton écran il a pas de pied, ton écran de PC. C'est pas grave, on juge pas, il a le droit de pas avoir de pied. Mais il y a des écrans qui ont des pieds. Il y a même des écrans qui ont des chaussures. Et qui les mettent pour aller danser. Non, c'est... Bah, pareil, je repars dans un conte pour enfants là, c'est... Bon. Moi sur ordi portable, j'ai pas de pied. Bah quand tu utilises ton ordi portable, tes pieds ils sont toujours là. J'ai plus de cappuccino, je vous rassure. On dirait des vrais prières d'insectes. Vous inquiétez pas. Je vais vous faire un truc mignon là. Je vais faire un truc mignon. Attends. Ah mais on peut changer les couleurs. Ah ben voilà, attends. Tu veux du détail. Voilà. Ah bah j'ai même pas le temps de lui faire son bâton. Voilà. C'est ça, j'ai pas le temps de faire du détail, Anto. Ils sont trop forts, qu'est-ce que tu veux. Ça aurait pu être un foie, tu vois. J'ai le boucher. Ou arraché par quelqu'un. Ça aurait pu être, je sais pas, une feuille de chou rouge. Mais non. Pomme d'amour. Enager, trop fort. Pomme d'amour. Voilà. Le GG. J'hésitais avec cœur brisé. Pomme d'amour, 69 points. Eh ouais, une pomme d'amour du Rhône. Trop fin. Oh oh. Ah bah, il vient tout l'heure du goûter, là. Il est 15h49. Franchement, il y avait carte téléphonique, j'ai la flemme, je vous le dis tout de suite. Faire une carte et un téléphone à côté pour que pendant 500 ans, je dise « Ah oui, c'est vrai, ce truc existait avant. » Non. Alors que, là, je peux faire ceci. Déjà, ça commence bien. On va faire comme ça, vas-y. Voilà. Et donc, nous cherchons genre... ceci. Voilà. Et c'est en plusieurs mots. Je pense que comme ça, ça vous aidera. Voilà. Hop. Alors, mince, du coup, vous êtes parti dans la mauvaise direction à cause de moi. Marche aussi avec celle-ci. Hein. Mince. Ma flèche est dégueulasse, mais marche aussi avec celle-ci. Voilà, c'était une aiguille d'horloge. Aiguille horlogique. Oh yo. Personne n'a mis aiguille d'horloge. Mais Nechar a mis aiguille horlogique. Désolé Nechar.
J'aurais dû vous mettre directement les deux flèches. Parce qu'effectivement, sinon, ça pouvait dire que c'est que les heures ou que les minutes. L'aiguille horlogique, je retiens. Aiguille horlogique. C'est une science à part. Ça a été ton call, Lulu. Allez, j'en fais un petit difficile en plusieurs mots. En trois mots exactement. Attention, il y a un accent chiant. Oula, on dirait des culs. Remarque, c'est un peu normal. Voilà, puisqu'on me reproche de pas faire de détails après, on va faire comme ça. Tiens. Ah non, c'est pas la bonne couleur là. Ah, je peux le temps de faire ma pêche bien comme il fallait. Tarte aux pêches, bravo. Et non pas tarte au cul, hein, mais on était pas loin. Méchant. Oh mais non. Et Nedjar qui avait écrit tarte à la pêche. Pourquoi il y a un accent circonflexe sur ton tarte d'ailleurs? L'accent circonflexe, il s'est fait la malle, il s'est dupliqué, tu vois. Il est parti habiter dans le mot tarte. Non mais je comprends, dans le stress et la rapidité. Je vais tout tarter. Je vais tout tarter. Yeah. Si vous touchez aux pêches de mes entrailles. Oui, alors en vrai, j'aurais pu faire une tarte, tu sais, comme dans les Picsou, dans les trucs américains, là, avec des... Genre avec des bandes de pâtes, là, et vraiment en mode tourte. Mais je me suis dit que, bon, là, ce serait plus parlant. Bah, les tartes aux pêches, elles ressemblent pas à ça, hein, mais bon. Fallait pas qu'elles s'en aillent, wow. L'aiguille horlogique. Pardon, je me tais. Oh, je peux vous faire un blind test à l'ocarina, après. C'est vrai. Faut juste que je trouve un truc à mettre en fond, vu que je mets pas la cam, mais... Alors, c'est parti. C'est encore parti pour faire pas le bon truc, mais c'est pas grave. Chéché. Reine. C'était bien un renne. Sigoui-coui. On dirait un renne axolote. C'est vrai que ça aurait pu être un élan. En fait, j'hésitais beaucoup. Genre, c'est quoi, un caribou, un renne ou un élan, mon truc, effectivement. Je me suis dit, bon, ils vont bien trouver. Je sais pas. J'ai encore le truc du provolone. Attends, un renne, normalement. Oh, ça va. Ça va, en vrai. Ça va, Imhotep. Ça va, franchement, ça va. Ça va. Bon, c'était pas... Voilà, mais... Ça va. Mouais. Le génial est sceptique. Et Regwen. Toi, t'as quelque chose à demander. Qu'est-ce qui t'arrive, Gwen? Pourquoi il y a que des mots et 15 façons de l'écrire? Parce que c'est la langue française qui est comme ça, certains te diraient que voilà. Oula, là, j'ai deux mots durs. L'autre c'était enthousiasmé. Je me suis dit ça va être compliqué. On va essayer de faire comme ça. Je sais pas comment. Et à mon avis ça va être chaud. C'est un mot qu'on cherche, mais ça va être compliqué. Quoi que ça dépend. Si je cheat un peu, je vous dis, c'est la moitié de ça. Voilà. Putain, comment je peux faire deviner ça?
la moitié de ça. Voilà. Oui, tout à fait, Nedjar, t'es sur la bonne piste. Ouais, je me suis dit peut-être faire en rébus. Je me suis dit faire deviner en rébus, faut d'abord faire un truc qui fait deviner genre du gras. Ensuite, fi, ça va être compliqué. Et une queue, bon, on va faire une queue de vache. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais fi. Et oui, la deuxième moitié, mais si je disais la deuxième moitié directe, c'était trop facile, tu vois, c'était trop cheaté, quoi. Mais ouais, graphique, je sais pas, vous auriez fait deviner comment vous graphique. Vraie question, hein, pour le coup. Parce que je me dis, qu'est-ce que tu dessines pour faire deviner le mot graphique? Ah, faut faire un graphique, le truc de stats, ouais. Eh ben, j'y ai pas pensé. Juste un graphique avec un graphique, putain. C'est évident pour tout le monde sauf pour moi. J'ai pas du tout pensé à un graphique. Je pensais à un truc graphique. Genre une tablette graphique ou genre... C'est trop le mot. Pourquoi pas en faire un graphique comme scientifique? Je propose qu'on en parle plus jamais. Un roman graphique, j'aurais jamais pensé. Mais je me suis dit sinon une scène graphique, tu vois, mais... Ah tiens, il y avait encore robe de chambre. Ah non, attends, c'était robe de nuit. Bah là, il y avait robe de chambre. Vous m'auriez détesté. On va faire autre chose, du coup. Voilà. Hop. C'est pas la bonne couleur en bas. Ta 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 ta. Personne n'a une boîte aux lettres comme ça en France. J'ai trop joué aux Sims. Tintin. Boîte aux lettres. GG, Nature. Voilà, c'était graphique cette fois. Au moins comme dessin. Allez. Ça va être... assez simple, je pense. On va faire comme ça. Voilà. Ah, tu es presque en taux, mais là, tu ne me regardes pas bien le dessin. Car oui, on passe de déverrouillé à verrouillé. Et oui. Lily, Suzy, il y a Dame et le Pion à NHR et Anto. Et oui, car c'est verrouillé que nous cherchions. Il y avait la flèche qui montrait qu'on passait du déverrouillage au verrouillage. L'arnaque, c'est pas grave, Lily, Suzy. C'est la guerre au Gartic Show. Allez. Si, c'est grave. Nature proteste. Oh, t'en as fait des comme ça aussi tout à l'heure. Hein. Ça bénéficie à tout le monde. Hein, de un coup, vous vous faites voler. Un coup, vous êtes la personne qui vole. Est-ce que vous vous sentez la flemme, là? Oui. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Hop là.
Voilà. Comment je pourrais resymboliser ça? Comme ça. Ouais. Mmh. Chercher trop compliqué, je crois. Hop. Et oui, GG, nous cherchions laver. Bravo. J'aurais pu faire quelqu'un qui se lavait, mais je me suis dit, bon, on va laver le sol brille. Tout va bien. Casa toujours pimpant, exactement. Nettoyer, balayer, astiquer, nana toujours pimpant. Voilà. Je connais pas bien les paroles de cette chanson, je suis désolée. Même si elle est très mimi. Donc Lusigna, 23 points. Allez. Je prends de suite. Il y avait Domino, mais Domino, c'était trop simple. Alors que là, j'ai encore l'occasion de faire un truc nul. Voilà. Oula. Que je pourrais faire les... Ouais. Voilà, c'était un dromadaire. Il n'avait qu'une bosse. Tigre du Bengale. Alors là, faut m'expliquer. Là, il faut m'expliquer. Pourquoi tigre du Bengale? Non, j'en ai marre. Ah oui, t'as écrit dromadaire avec un E accent grave. Eh oui, ça arrive. Ouais, si c'était pas compté par le jeu, là, comme ça, j'aurais dit, oui, bon, c'est dromadaire, quoi. Ça arrive, ça arrive. Effectivement, j'aimerais t'expliquer pourquoi le tigre du Bengale. Ça reste une énigme, c'est ça? Alors, oh, je vous partagerai un truc après en vrai. On va se regarder un thread qui m'a beaucoup fait rire aujourd'hui. J'avais une amie qui dormait chez moi et j'avais la porte ouverte et j'ai rigolé dans mon lit. Du coup, j'essayais de me retenir pour pas trop rire. Il faut que je vous montre ça après parce qu'en vrai, je trouvais ça trop drôle. C'est quelqu'un qui a fait un thread avec genre des avis Google. Ah, horrible. Et je sais pas, c'est très bonne humeur, il faut que je vous montre ça après. Mais il nous reste quelques mots. Et Nechar est parti chercher à boire. Est-ce que ça va être l'occasion pour les autres de le doubler? Car au début, Nechar est en situation de monopole, ce n'est plus le cas. Lily, Suzy notamment, et par tête, Aka, Lusigna, marquent pas mal de points. Anto, on a marqué quelques-uns, et d'autres aussi. Est-ce que tout va basculer pendant que Nechar est parti chercher sa bière? Ah! Alors. On va faire comme ça. Hop. Ah ouais. Allez, Lily Suzy, elle rigole pas. Hein. Elle rigole zéro. Genre, c'est tempête. Voilà. J'ai pas eu le temps de mettre la pluie. J'ai pas eu le temps de mettre le vent. J'ai pas eu le temps de mettre des gens qui s'envolent. Et Nechar est en train de taper du code HTML. Pardon? Genre, comment ça? Comment ça tempête? Comment elle a trouvé? J'allais dire, mais non! Aïe, 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 elle est forte. C'est notre MVP, hein, Lily Suzy. Elle a remporté les épreuves des events de fin d'année, hein, donc c'est une tueuse. Hein. C'est pas de la gnognotte. Hein. Eh oui. Ouais, même si là, il y a de la concurrence, hein. Nature n'a pas dit son dernier mot d'ailleurs. Ah! Tiens, alors ça je vais le dessiner, mais alors je suis à peu près sûre pareil que les connoisseurs vont sûrement me dire, mais ça n'est pas comme ça. Mais c'est pas grave, je vais le dessiner comme ça. Alors...
Non. Mieux. Voilà. Et on va faire comme ça. Ouais, alors c'est approximatif. Hein. Pouette, pouette, pouette. Voilà, ça, bon, vous l'aviez deviné. Ça faisait de la musique. Je vais aller voir à quoi ça ressemble à côté maintenant que je vous ai fait ça là. Oh si, ça va! En vrai, ça va! Une mandoline, ça va! Franchement, ça va! Merci, Lusinia. On est quand même passé par le ukulélé, le banjo, la guitare, le luth, la sitar, le chop. Non, non, c'était une mandoline, mais j'aurais dessiné exactement de la même façon pour le luth. Donc c'est pas Lily, ça me va, genre. Netchar compte les points, là. Ça rigole pas. Fais attention, hein. Parce que Lusinia, elle en a pas mal aussi, hein. Et mine de rien, là, ça fait pas mal de points, quand même, qu'elle marque, hein. Donc, je serais toi, je crierais pas la victoire trop vite, hein. Il reste, d'ailleurs, 4 mots. On est sur les 4 derniers mots, attention. Alors... Ouais, je vais vous faire en rébus, celui-là. C'est complètement con. Je vais vous le faire en rébus. En plusieurs mots, en rébus. C'est parti. On va faire comme ça. Et enfin... Hop là. Voilà. Hop là. Et oui, c'était du blanc de dinde. GG Netchar pour ce rébus. Alors, qu'est-ce que vous aviez proposé? Du blanc de poulet, du blanc de dinde. Pardon. Blanc de coq. Eh, mais le blanc de, vous avez bien trouvé vite, hein. Bravo. Blanc de coq, blanc de dinde, c'est de la genre... J'ai serré les fesses. Oui. Oui, il y a eu du blanc d'oie aussi. Et coucou Arwenia, comment ça va? Ah bon, joli, joli. Attention, dans la dernière ligne droite, il reste 3 mots à trouver. 3 mots. On m'en a un peu la fatigue, mais ça me fait du bien, là, en fait, de faire l'après-midi avec vous. Ça me fait rire, ça me détend et tout. Il y avait hydraté, j'aurais pu faire une hydratation de l'arbre en référence à chez moi, mais c'est pas juste pour les gens qui vont pas chez moi. Alors qu'à la place, je peux faire un truc simple, efficace. Hop. Hop. Je peux faire ceci. Voilà. Oula, c'est très laid. Et je voulais mettre une petite flèche sur l'assiette. Assiette qui est parfaitement ronde et droite et régulière, n'est-ce pas? On a envie de manger dans cette assiette, n'est-ce pas? En vrai, je trouve ça rigolo, les assiettes pas full régulière. Je trouve ça rigolo. Et GG Lily et Suzy. Première sur l'assiette. Alors, il y a eu service à couvert, hein, quand même, du côté de Lusinia, qui s'est dit, bon, on va chercher... au cas où ce soit le truc le plus difficile. C'était un joli move.
Très joli move. Mais non, c'était simplement assiette. Alors, attendez, là, j'ai un mini doute. Avant que vous faisiez un nouveau quoi ? Ouais, on va faire ça. Let's go. Alors, attention. C'est là que dessiner à la souris est vraiment très très chiant. Oula. Je sais pas pourquoi ça se... Hop là. Voilà. Voilà. Oh, horrible. Ses bras ne sont pas accurate, mais c'est pas grave. Voilà. Alors vous demanderez, hop, pourquoi un top qui a l'air d'être sorti des années 90, et d'ailleurs non, c'est pas là que je voulais mettre la flèche. Je vais mettre la flèche ici. Voilà. Exactement, GG Luna, putain, clavicule. Voilà, et du coup je voulais bien mettre les seins en dessous et tout pour qu'on voit bien que c'est parce que vu mon niveau de dessin, tu vois, qu'on comprenne que c'était pas des seins justement, mais clavicule. Un sexy à poitrine souriante. Ça aurait pu aussi. Et merci pour le lurk drag. Voilà, c'était les clavicules. Je reviens sur une nana peu habillée. Je peux en faire d'autres, pas de problème. Il reste deux mots, cependant. Je peux faire une autre nana légèrement peu habillée. Vous allez voir. Vous allez me détester, mais c'est pas grave. Je vais faire... Vous allez voir. Vous allez voir. Ça va être magnifique. Hop, voilà. Je vais faire une nana peu habillée là, voilà. Voilà. Pour faire plaisir à Lulu. Hop. Voilà. Je peux même la faire en string, attention. Très très graphique. Voilà. N'est-ce pas? Hop. Voilà. Hop. Et maintenant, le plot twist, car oui, il y a quand même un mot à deviner. D'habitude, je fais les flèches en rouge, mais là, vu tout est en rouge, je vous fais la flèche en bleu. Nous cherchons ceci. Et voilà, nous cherchons que. Voilà. Bon, je suis d'accord qu'on n'est pas dans de la pin-up dessinée par votre artiste préféré. Je fais ce que je peux, hein. Et il reste un mot. C'est un fantasme, ça je reconnais. J'aime bien les démons mecs, j'avoue. Les démons féminins, je trouve ça très sexy souvent, pas de problème. Mais le démon mec, ouais, je suis pas contre lire des histoires avec des démons mecs, y a pas de souci. Chacun ses petits clichés habituels, tu vois, il y en a, c'est les sportifs, d'autres les milliardaires, etc. Moi, le mec démon, ça me plaît pas mal. Hop là. Je dis pas que j'ai que ça en fantasme, hein, je vous rassure. De toute façon, rien ne vaut un raton laveur, on est d'accord. Non, je plaisante, je ne fais rien au raton laveur. Je n'abuse pas des ratons laveurs, ne vous inquiétez pas. Hop. Alors... Comme c'est le dernier, je vais vous aider un peu. C'est un verbe que nous cherchons. Et du coup, comme c'est un verbe... Je voulais faire un gars qui avait l'air très heureux et qui, avec une tenait une allumette, en mode c'est lui qui avait incendié. Genre, ah, je suis Nero. GG Lily Suzy, pour ce dernier point, enfin ces 40 derniers points marqués, nous allons avoir donc le reveal de ce marathon de 50 mots, s'il vous plaît. 50 mots. Du Gartic Show. Elle est trop forte. Bah, c'est notre MVP. T'as cru quoi? C'est la MVP, je te dis. Regarde.
Voilà. Ah mince. Bah, en fait, sache que son titre a été remis en jeu le 6-1, mais qu'en fait, elle l'a gagné. Elle a rebattu les gens. Faut qu'on mette à jour la commande. Mais que voilà, c'est la MVP. C'est la boss. Mais est-ce que c'est elle qui a gagné aujourd'hui? Alors là, honnêtement, je sais pas. Parce que Nature a marqué beaucoup de points aussi. Il y a d'autres personnes qui ont marqué des points. Donc, on va voir. Et c'est Enetchar qui l'emporte. Félicitations. Vous pouvez l'applaudir en faisant point d'exclamation clap. Enetchar premier, suivi de Lily Suzy deuxième. Lousinia troisième. Aka Apartheid. Je voulais le 1000 points. Next time. Luna quatrième, Ezrabal cinquième et Anto sixième. Franchement, tu vois Enetchar, ça paye parce que t'étais là depuis le début, mine de rien. T'as vraiment fait le marathon. Donc, GG. Et du coup, je tiendrai évidemment parole. Tu vas recevoir une clé de jeu en PM Discord. Une clé de jeu Kinder Surprise. Hop. J'allais dire, je vais le faire maintenant, mais non, parce que vu qu'il faut que je passe par le navigateur et que là, justement, je suis en train de vous screener le navigateur, je vais pas le faire là tout de suite, mais... Je me le note. Hop là. Attends. Histoire de... Ou alors, à moins que je puisse aller par là. Aller chercher mes clés ici. Est-ce que je suis dans des pieds de là? Comme ça que j'oublie pas après, parce que... Hein, bonjour, je m'appelle Dory. Hop. J'adore les captcha où tu sais pas si tu les as réussi ou pas, mais juste ils te refont faire d'autres captcha. Ok. Voilà, ah mince. Quoi? Ah putain, il faut que je vérifie mon compte. Vous savez, quand vous avez besoin d'un truc comme ça, vous vous connectez, vous dites ah c'est bon, j'ai réussi à me connecter, me souvenir de mon mot de passe, et ils font ah, en fait, on veut vérifier que c'est bien toi parce que tu n'utilises pas le même navigateur que d'habitude. Du coup, est-ce que tu pourrais aller vérifier sur ton email machin chose? Sauf que t'as mis un email qui n'est pas celui que tu utilises sur ce navigateur. Donc, faut aussi que tu ailles te connecter sur. Bon, bref, vous connaissez. Hop. Alors. Voilà. Et je vais pouvoir t'envoyer la clé tout de suite, normalement. Parce que j'ai pu me connecter. Clé Steam. Donc, activer sur Steam. Hop. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a été bien, bien calme. Alors, il faut que je vous montre le Fred qui m'a transféré. Et après, si vous voulez, on fera un blind test à l'Ocarina. Mais il faut que je vous montre ce Fred. Il est incroyable. Ah, attendez. Je vous montre ça. Hop. On a encore les reines là. Voilà. On va passer en just chatting. Hop. Catégorie. Ouais, vous êtes connecté 3 minutes plus tôt que d'habitude. On vous en ramène à SMS, un contrôleur fiscal et le pape. C'est exactement ça. Il y avait un cadeau. Ah bon? Oui, c'était marqué dans le titre. T'inquiète pas. C'est une clé de petit jeu, hein, t'inquiète pas. Mais qui a l'air mignon et cool en vrai, celui-là. C'est des Kinder Surprise, donc...
Et là, du coup, quand je les dévoile pour les envoyer, ça révèle ce que c'est. Et du coup, je suis en mode, ah tiens, ok, ça a l'air mignon celui-là. Donc, les avis Google les plus drôles. Ah, attendez, parce que ça, c'est partie 2. Mais en vrai, la partie 1... Bon, on se parle à la partie 1. Et... De toute façon, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir d'ordre. Excusez-moi, mais bon. Accueil déplorable. Le serveur m'a pété dessus. Quand je lui ai fait remarquer, il m'a mis une baffe à éviter. Réponse du propriétaire. Ta gueule. Déjà, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Mais... déjà, l'enchaînement est pas mal. Mais qu'est-ce que je lis déjà ? Parce que comment vous voyez qui a fait le trade, etc. quoi. Voilà. Des bisous à Nedchar. Et c'est très bien, il faut aller voir son papy. Des bisous. Et encore bravo. Bravo pour ta victoire. Et ouais, la clé, elle est sur elle, donc en PM Discord, si jamais tu la cherches. Les portions sont un peu copieuses. J'aurais dû demander au serveur un doggy style, mais sinon, très agréable moment. Merci Arthur pour votre commentaire. Vous voulez dire un doggy back? Un doggy style, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est... on parle de position sexuelle. Voilà. Donc, le mec qui leur a dû demander à un serveur un doggy style. Alors non, en fait. Ça, j'ai pas compris le chien, mais bon. C'est sur du toilette. Oui, si, pardon. Mes deux canidés sont revenus entièrement chauves. Le service toilettage et coiffure est en dessous de tout. Un des employés impose à Bruno mon golden retriever une coupe calvitie, et cela malgré mes réticences. Ses poils du crâne ne repoussent plus. Voir la rubrique photo. Mon canard ressemble à Gérard Junior. Maintenant, j'ai honte de le promener. Pardon, mais... Je pensais pas que c'était des fakes. Mais... Mais c'est quand même des fakes drôles, pardon. J'ai dû me faire tester pour le Covid après avoir mangé ici parce que je n'ai rien goûté. Il s'avère que je suis négatif et que la nourriture n'a simplement aucun goût. Le montage est incroyable. tu leur parles pas, mais il est génial, pardon. Attends. J'ai lancé une boule de neige à l'entrée du commerce. Je me suis retrouvée à me faire courser par un employé avec un cutter. Je sais pas du tout que centrer, par contre, il faut que je recentre. Voilà. C'est quoi cette créature sortie des pacrons ? Visiblement, c'est un chien dont la coupe peut mal tourner. Merci au videur qui m'a pas laissé rentrer car j'étais trop ivre. Il a super bien fait son métier, car j'étais effectivement trop ivre. Et j'aurais sûrement gâché la soirée, comme je gâche actuellement ma vie. Commentaire de la pistache, je crois qu'il est au fond du gouffre, lui, oui. C'est un peu la tristesse, celui-là. Lui, la malveillance. Les serveurs ont passé la soirée à jeter des morceaux de pain sur mon fils de 8 ans. Inadmissible. Il avait qu'à tirer la chasse en sortant des toilettes. Mais pourquoi ça me fait autant rire ? J'ai vraiment... J'ai pas... L'improbable, mais oui. Le vigile ne voulait pas me laisser rentrer parce qu'il a appris que j'ai couché avec sa maman, de Thomas. Propriétaire. Bonjour Thomas, désolé pour ce désagrément. C'est à vous de mieux communiquer avec vos fils, que voulez-vous. Il souhaiterait d'ailleurs vous rencontrer en journée dans un endroit isolé en face à face pour discuter simplement. Quelles seraient vos disponibilités ? Voilà. Magnifique. Si la débilité du personnel produisait de l'électricité, on aurait trouvé la solution pour sortir du nucléaire. Ok. On m'a posé pour la piscine, Georges, je sais pas quoi. On m'a forcé à porter un bonnet de bain alors que je suis chauve. Intolérable. Ça, je pense que c'est un commentaire d'Hudson. Ouais, discutez, Luna. Discutez, ouais. Pas du tout. Pas du tout louche. Ça, il est génial. Le videur, le proprio, n'avait plus rien à foutre. Max, le videur m'a jeté des tragibus sur la tête pour me narguer, vu que je m'étais fait recaler. Réponse du propriétaire. Bouhouhouhou. Ah, putain. Il y a des gens, je sais pas, ils répondent. J'ai déjà vu ça, en plus, des fois, je regarde les commentaires de certains établissements. Ah putain, mais il y a des proprios, ils se rendent pas compte que quand ils répondent, ils font juste gros chien de la case ou trop vénère, quoi. Faites pas ça. Oui, bah oui, parce qu'en plus, en vrai, tu la mets où, la limite, après, les gens qui ont juste un poil sur le caillou vont dire, bah non, c'est bon, moi, j'ai pas besoin, enfin, non, t'es obligé de mettre la même règle pour tout le monde, quoi.
Je devais rompre avec mon ex, ils ont été très longs dans leur service. Ce fut la rupture la plus longue de ma vie. On a failli rester ensemble tellement ils étaient longs. Une étoile. La tristesse. Bonjour, j'aimerais avoir le numéro du serveur qui ressemble à un Oompa Loompa SVP. Merci d'avance. Et comme dit la pistache, il y en a, ils sont quand même trop à l'aise hein, dans les avis. Hein. La barbe, c'est comment ? Il y a des bonnets ? Et coucou Cassio. Mais oui, je suis d'accord que oui, on demande pour les cheveux, mais qu'en fait le reste, bon, on s'en bat les couilles, c'est un peu bizarre. Donnez-lui une médaille. Se faire insulter par l'écriture cachée dans l'addition, intolérable, employé à virer, et repas même pas offert par l'établissement malgré la discussion avec le patron, ils se reconnaîtront, ça mérite même pas une étoile. Et là, je sais pas en tout, entre ravioli, ricotta, citron, et une boule de glace, il y a marqué pataguay, deux sales gosses. Pataguer, pataguer. Je sais pas ce qu'ils veulent dire pour le pataguer. Pataguer de sale gosse. Voilà. Genre. Insulte dans l'addition. Let's go. Le proprio qui insulte les clients méchants, c'est le divertissement. Sophie, ouverture annoncée à 10h. L'employé du magasin est arrivé à 10h25. Aucune excuse. L'amabilité semble être en option. Réponse du propriétaire. Ferme ta gueule. Franchement, je comprends pas les proprios qui répondent comme ça sur les avis Google. Tout le monde peut les voir. Genre, en mode, qui a envie d'aller chez toi, gars? Ok, elle a peut-être été super relou, la Sophie, j'en sais rien. Mais putain, nous, on voit juste ça, que les gens vont pas aller chez toi, mec. Que tu réponds comme ça, quoi, au secours. Ah, c'était partagé, oui, partagé deux sales gosses. Mais c'est bizarre, partager deux sales gosses, non? Bon, de toute façon, on remarque, c'est un peu bizarre déjà de base de marquer ça dans la note. Le bar de manette. Ah putain, ça c'est mon préf, je pense. Un soir, je me suis arrêtée à la cocotte. J'ai été étonnée de voir que c'était les clients eux-mêmes qui servaient à boire pendant que le patron dormait sous le comptoir. Malgré tout, au bout d'une quinzaine de minutes, Monsieur Marlou, le patron, réussit à sortir de sous le bar. Et après une phrase absolument incompréhensible, il reprit le service. À partir de là, tout n'était que féerie. Il jouait aux fléchettes avec des boules de pétanque. Il a tiré des dizaines de chevrotines sur le parc. Pour une raison inconnue. Et il est reparti dormir sur le bar cette fois-ci. Du coup, on n'a rien payé. Je recommande. L'ambiance est folle. Ah putain. Et du coup, il y a une photo du truc, ça donne trop envie d'aller là-bas. Je sais pas où c'est la cocotte, là, mais... Il a l'air trop sympa, le patron, en vrai. Bon, un peu bourré, probablement, mais... C'est trop sympa. J'attends, la façon dont le commentaire est rédigé est trop drôle, quoi. J'ai dit, à partir de là, tout n'était que féerie. Je vous fléchette avec les poules de pétanque. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le taco le plus dangereux de France. Se trompe toujours dans les commandes. Je déconseille. Réponse du propriétaire. Ah, FDP, si je te trouve, je te plante. Viens au taco. J'en fais pourquoi? Pareil. Putain, pourquoi tu réponds ça? Genre, tout le monde peut voir les trucs sur Google, quoi. Au secours. Et on termine cette partie 2 avec cette réponse légendaire. Pizza très bonne, je recommande. Bah, pourquoi tu mets une étoile? FDP. Voilà. C'est juste quelqu'un qui s'est raté sur sa note, quoi. Mais du coup, pareil, le propriétaire en mode vénère. Les FDP, c'est violent, en fait, les gens. Faut pas écrire ça, hein. C'est déjà... voilà, c'est une insulte plutôt faible. Et puis en plus, genre, je sais pas, ça fait pas du trop pro d'écrire un truc pareil, quoi. Ah. Putain, le coup du bar, là, il me termine, là. Il me termine le... Je rêve d'aller dans cet endroit un jour, là. La cocotte, là, ça a l'air trop bien. Le patron qui dort sur le bar et sous le bar, je l'imagine le mec un peu comme Talon, tu vois, genre le père de Malon dans Ocarina of Time, là, qui dort un peu partout, là. En plus, dans Majora's Mask, ils ont pris son skin pour faire le mec qui tient le milk bar, donc ça colle, en vrai. Voilà, donc c'est un thread qui est apparu dans ma tweet list, qui a été publié par quelqu'un que je ne connais absolument pas, qui s'appelle La Pistache, mais bon, les threads étant très très drôles, et apparemment, elle fait pas mal d'autres trades. Il y a les hommes versus animaux, les bagarres les plus drôles et aberrantes. Donc là, il y a quand même un mec qui met un pied bouche à un alligator. Enfin, ce qui semble être un alligator. Les fous dans le métro, bon.
Après, il y a peut-être un peu de psychophobie là, donc faut voir. Mais bon, les commentaires là, ils étaient très. Très très bons les commentaires Google, quoi. Hop, voilà. Donc je mets l'adresse pour rendre à César ce qui est à César. Voilà. Devant le juge, pourquoi vous l'avez planté? Parce qu'il m'a mis une étoile sur Google. C'est un peu ça, ouais. Je sais pas si ça tient comme défense. Quoi que tu me diras, bon, quand on voit qu'il y en a certains qui s'en sortent pour des trucs de ouf, quoi. Alors, ça, c'est toujours la partie 2. Je vais voir si je vous trouvais la partie 1. Oula. Après, c'est dangereux, Twitter, là. Comme ça, est-ce que vous en avez envie de voir un mec faire du tam-tam sur les fesses d'une meuf? Oui. C'est un peu trop risqué. Je vais revenir sur le Gartic Show au cas où, parce que j'ai pas trop envie de faire ban la chaîne de l'After par Twitch s'il y a des trucs un petit peu chelous. Ouf. Alors, est-ce que j'aurai une petite vidéo Ocarina? Un petit gif, tiens. Voilà. Attends, est-ce que je peux reprendre ce gif? Voilà. Et je vais mettre ça là. Voilà. On va pouvoir faire le petit blind test Ocarina. Pour le fun. Parce que ça fait longtemps. Petit blind test Ocarina. Vous voyez pas, mais j'ai vraiment mon petit Ocarina. Allez, dit Cassiopée. Juste pour voir si je suis rouillée. C'était déjà dégueulasse quand j'étais entre guillemets pas rouillée. On fait un petit test. En l'honneur aussi de je rappelle le Lao qui commence Ocarina of Time, qui a commencé Ocarina of Time sur la chaîne de la paix. Vous pouvez la retrouver les mercredis sur le jeu. Alors, tu nous punis pourquoi? Parce que j'avais promis que j'en ferais un pity. Allez, allez, un petit facile. Allez, vas-y. Faut trouver le titre. C'est soit un film, soit une série télé, une émission ou un truc comme ça. Vas-y. Attends, parce qu'il faut que je mette du texte par contre. Que je mette le. Hop là. Voilà. Hop. Tes bisous, Gwen. Je vous en fais 3. Allez. On voit si vous trouvez. Si ça censure pas. Ah ah ! Eh oui, bravo Lulu. Fort Boyard. Ah, Louzinha était pas loin derrière. Gwen aussi. Un point pour Lulu. Bah, vous voyez que vous êtes fort en blind test Ocarina. De quoi ça se plaint après, enfin? Comment ça casse les oreilles? Eh oui, tu es la meilleure. Deuxième. Alors. Donc toujours pareil, on cherche toujours un titre donc, de film, série, émission télé, etc. Allez pas me donner genre des compositeurs et compagnie, ce qui serait normalement logique hein, de donner pour des sons d'émissions, etc. Puisqu'il y a quand même des compositeurs derrière. Mais là, on fait vraiment au plus simple. Vraiment genre juste titre de l'œuvre. Non. Pff, je vais y arriver. J'avoue, j'ai un peu fait exprès. Star Ears. Bon, j'autorise Lusinia. Star Wars, effectivement. Ouais, ça va, je vous en fais un mini, là.
Ça va, on a dit on fait 3 chansons. Dites, heureusement que j'ai pas fait l'inverse. J'aurais pu faire 3 mots de Gartic Show et 50 chansons à l'Ocarina. C'est juste pour vérifier si ça marche toujours. On s'en refera à l'occasion. Là, c'est juste pour le fun. Donc, toujours pareil. Hein. Toujours le titre de l'œuvre à laquelle vous associez cette musique. Alors. Oh, j'ai une idée en tête, mais alors je sais pas du tout si je vais réussir à le jouer. Ça va être horrible, je vous préviens tout de suite. Je sais que vous savez que ça va être horrible, mais là, j'imagine pas. Je pense que ça va être horrible, mais dans un autre genre que. Dans un autre genre là que Star Wars, vous allez voir. C'est... Bref. Oui, bravo, Lusinia. Et oui, c'était serré du coup entre Luna l'avait. Je sais que Luna l'avait, mais Lusinia, effectivement, Supercalifragilisticexpialidocious, la chanson dans Mary Poppins. Pour les gens qui ne l'auraient pas, on va mettre ça en fond, voilà. Oui, moi j'ai la flemme d'écrire. Voilà. Bon, ça sera pas sur la rediff, hein, mais au moins, voilà, comme ça, vous avez vu la petite correction. Ça va, du coup, ça va. C'est bon, vous avez survécu. Hop là. Voilà. Bon, j'arrête. C'était juste pour le plaisir de ressortir l'ocarina un tout petit peu. Bon, après, c'est plus drôle quand vous voyez ma gueule en même temps en train de faire de l'ocarina, de ribe pouffer comme une putois, et de faire n'importe quoi, certes. Mais voilà, vous êtes toujours bien réveillés. Ça fait plaisir à voir. Est-ce qu'on se ferait pas un petit raid? Un raidounet de derrière les familles. Derrière les fagots, parce que derrière les familles... On va aller faire un raid chez Pondergrind, qui nous a fait le plaisir de venir cet hiver, ces fêtes de fin d'année, pour nous faire un petit cours sur les légendes des Philippines, qui est adorable, et qui est actuellement sur Baldur's Gates, jeu que j'aime énormément. Raison de plus d'aller lui rendre visite. Alors ce sera en anglais, hein, mais il est vraiment adorable et très cheerful. N'hésitez pas à jeter un œil si vous n'êtes encore jamais allé chez lui. Merci beaucoup d'avoir été là pour cet après-midi. On se retrouve demain soir, normalement, dans mon cas, a priori, pour le Ciné Monday, à partir normalement de 19h. Et les copains-copines de la paix, vous pourrez les retrouver normalement les autres jours, bien sûr à confirmer, on vous postera le programme sur Discord, je ne sais pas encore qui fera quoi, peut-être que Luna veut dire ce qu'elle fera, je ne vais pas projeter, je ne sais pas encore ce qu'ils feront, parce qu'on en parle en réunion le dimanche soir en général. Et merci beaucoup pour votre participation, GG à NHR encore d'avoir gagné le Gartic Show et la clé, merci au Modo d'avoir été dans le coin. Et ce sera des Sims pour Lulu, donc jeudi. Vous pourrez la retrouver ici même. Et je vous fais d'énormes bisous. Passez une excellente semaine si on ne se recroise pas demain. À vendredi pour Lulu. On vous met le programme, vous inquiétez pas. Des bisous.